Pour le moment, nous sommes dans une phase que nous appelons phase d'urgence, qui va consister à faire migrer la RDC en commençant par la ville de Kinshasa et la deuxième grande ville du pays qui est Lubumbashi. Donc dans cette phase, effectivement, nous pourrons commencer la diffusion numérique dans ces deux grandes villes. Les autres étapes viendront sûrement et probablement après le 17 juin 2015. Vous voyez que le salaire de la classe moyenne congolaise nage entre 110 et 90 dollars. Donc, pour pouvoir acheter cette télévision, quelqu'un doit économiser pendant combien d'années? Moi, je dirais que ça, c'est embrasser quelque chose très tôt. Nous allons vite en besogne. Le mieux serait de pouvoir étudier les cas pour que chacun soit à mesure de pouvoir suivre la TNT. Sinon, pour moi, je trouve que c'est un pilule la mer. Mais le Congo, ce n'est pas le moment où on a tenté. Premièrement, il faut aller en Bongo. Pour nous, on a télévision, on a tenté. Nous avons 50 dollars. On a plasma, on a tenté. 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 On a plasma. Mais lorsque nous avons fait cette mutation, nous avons négocié une clause avec notre diffuseur. C'est que notre chaîne est free dans son bouquet. Ça veut dire quelqu'un peut perdre toutes les chaînes qu'il paye, mais notre chaîne, il ne perd pas. Du point de vue du contenu, il faut vraiment que les télévisions congolaises modifient de fond en comble leur vision de la programmation et leur vision de la production. Mmh.